ثم اسقسينو امس سعيد جاب الخير او يفنى الدينير اي واشو يون ام شاد لي بن جديد يحمل تو ثيرت كني قانس فرانسيس بي سي بي جي بون شيك بون جون كوستيم كرافات سوسي سولا كومون سا سفي يو كوم سو غالا il a donné de l'importance à ce. Il a planifié l'émergence de ce mouvement-là à travers, comme tu viens de le dire, les étudiants qui l'ont envoyé. Il a préparé le nez de l'islamisme qui allait venir juste après son époque par la suite. Et entre autres, comment tu expliques qu'il organisait souvent des séminaires avec des penseurs de tous les intégristes du monde, il les rassemblait à Alger, au point même au Mohamed Akoun, qui était un natif d'ici, il n'avait pas de place, il donnait la place à tous les intégristes du monde, et en plus de ça, il a fait venir un prédicateur égyptien, c'est lui qui a enraciné encore davantage, et puisque vous avez mentionné son nom tout à l'heure, c'était pas l'ancien Razali, mais c'est le nouveau Razali, apparemment lui aussi, il a joué un grand rôle oui. dans la naissance de ce salafisme. Ma question est la suivante, Chedli, c'est quoi son but? Pourquoi il voulait islamiser la société algérienne? C'est mon hypothèse, est-ce que, parce que en 80, c'était la naissance du mouvement berbériste, notamment avec le printemps berbère, donc il a peur un peu de remettre en cause l'arabisme, donc il s'est appuyé et veut s'appuyer sur l'islamisme pour contrebalancer un peu le mouvement identitaire de cette époque-là. Est-ce que vous partagez cette lecture? Oui, je partage en partie, je partage cette lecture, mais pour moi, il y a ce facteur que vous venez de citer, mais il y a d'autres facteurs aussi. Il y a d'abord le facteur qui est intrinsèque à M. Ben Jdid, c'est que lui, il était connu pour avoir un faible devant la religion. C'est-à-dire, il était assez limité sur plan de l'instruction. C'est-à-dire, ce n'était pas quelqu'un qui avait terminé son instruction. Bon, je ne sais pas exactement son niveau scolaire, mais c'était pas quelqu'un qui avait une licence ou un universitaire ou quelque chose comme ça. Donc c'était quelqu'un de très limité sur ce plan. Mais et de ce fait, il avait un faible devant les religieux en général. Donc, et c'est pour ça qu'il était, très facilement influençable par le discours religieux. C'est Chedli, il était connu pour être très facilement influençable par les discours religieux. Et il y a un autre point, c'est que Chedli, il voulait aussi balayer les résidus du système Boumdine. Donc, entre autres, ce qu'on appelait en ce temps la gauche, par exemple. Donc, tous les résidus du système Boumdine, l'idéologie de la gauche, et aussi pour contrecarrer le printemps amazigh, le printemps berbère, pour préserver, entre guillemets, les acquis de l'arabisation. Qui était un cheval de bataille de la politique de Chedli. Okay. Et donc c'est pour cela que Chedli a fait venir par exemple quelqu'un comme Mohamed Al-Ghazali qui est issu de la confrérie des frères musulmans et à qui il a donné tous les pouvoirs. Il lui a donné, par exemple, il lui a confié la gérance, la gestion, la mosquée, et la direction de l'université de l'Émir Abdelkader, l'université de Sharia de l'Émir Abdelkader, l'université islamique de Constantine, et il lui a donné le plein pouvoir pour décider des programmes, religieux qui étaient en ce temps enseignés en Algérie, que ce soit dans les instituts affiliés au ministère des Affaires religieuses, c'est-à-dire les instituts qui formaient les imams, Ma'ahed Tikwin al-A'imma, ou que ce soit, ou bien pour le niveau universitaire, c'est-à-dire les facultés des sciences islamiques
dans lesquelles j'ai moi-même étudié, c'est-à-dire la faculté, moi j'ai étudié à la faculté des sciences islamiques d'Alger. Donc, c'était Mohamed Ghazali qui décidait de ce qui devait ou ne devait pas être enseigné dans ces écoles et dans ces facultés. En plus, il lui a donné une ou 2 heures de prêche, de parole, de temps de parole dans la télévision algérienne, c'est-à-dire la chaîne officielle qui était très très écoutée en ce temps, parce qu'il n'y avait pas de parabole, il n'y avait pas de chaîne étrangère, il n'y avait pas, donc elle n'avait pas, c'était la chaîne officielle qui n'avait pas de concurrence, donc elle n'avait aucune chaîne concurrente. Donc, elle était suivie, très suivie par le public algérien. Et donc, on donnait une ou 2 heures de prêche à ce monsieur, à Mohamed Razali, par semaine dans la chaîne, sur la chaîne officielle, la chaîne algérienne, le NTV. Et ces prêches ont fait des ravages. Ces prêches ont fait des ravages. Ils ont Je veux bien. préparé, ils ont bien préparé le terrain pour la venue, après la venue de ce qu'on a appelé la vague du fist. La vague du fist. Et la suite, tout le monde la connaît. La suite, on la connaît Voilà. tous. Tout ce qui s'est passé durant les années 90. Donc oui, c'est le système Chevli. Et puis ce monsieur Adam Mohamed Razali, des fois quand je réfléchis, c'est-à-dire quand je me rappelle de cette époque, je me dis comment les Algériens ont pu, comment les décideurs algériens ont pu permettre une chose pareille. Ce monsieur, il dit que, par exemple, il dit que Kateb Yassine ne devait pas être enterré en Algérie. Il devait être enterré en dehors de l'Algérie parce que pour lui, pour Al-Razali, Kateb Yassine, c'était un mécréant, un athée, qui n'avait pas le droit d'être enterré chez lui, d'être enterré en Algérie. Et ce même monsieur Razali, vous savez qu'il a cautionné, il a officiellement cautionné l'assassinat de Farhadj Foda. Il a cautionné l'assassinat de Farhadj Foda en Égypte, le célèbre intellectuel égyptien Farhadj Foda. Il a cautionné, c'est-à-dire il a été assassiné par un islamiste. Et bien, Mohamed Razali, il a dit, d'accord, le jeune qu'il a tué, l'erreur qu'il a faite, ce n'était pas de l'avoir assassiné, c'était en fait de s'être substitué à l'État. C'était l'État, parce que c'est pour lui, c'était l'État qui devait l'exécuter. Bon, maintenant, il y a un Incroyable. autre jeune qui est venu faire la besogne à la place de l'État. Bon, c'est pas grave pour le Razali, c'est pas grave. Donc, pour lui, il était ce monsieur Farhadj Foda, pour le Razali, il était exécutable, mais normalement pour lui c'était l'État qui devait faire ça. Et donc, c'est pas normal. C'est comment ils ont pu permettre à une personne pareille de venir ici, et comment, et surtout comment ils ont pu lui donner autant de pouvoir, comme autant de prérogatives et autant de pouvoir. Ça reste quand même un grand point d'interrogation. Mais le mal, il est fait, voilà, ce qui est fait est fait. Et voilà, donc on s'est retrouvé avec 200 000 morts. Encore, c'est le chiffre officiel. On s'est retrouvé avec 200 000 morts, et tout ça à cause de ces idéologies importées de l'Orient, qui sont venues chez nous faire des ravages parmi notre jeunesse, et même dans nos écoles. Peut-être qu'on va en parler Tout à après. fait. Monsieur Saïd, جاب الخير تنمية طاس طاس شكون ثاني ضد باللي شاد ليه ويسعى النيفو مخرا تيني تموس نينس ونشكرا كيني تيني تموس نينس مشكور اللي تيسولي جد دون ايديولوجي كي تتسامر مي ثاني ضد سكي في في نو مالوروزمون سكي في في اي بوتفليقه اللي فني بور اغرافي انكور دافونتاج جامي لا سوسيتي الجيريان نا ايتي اوسي اسلاميزي كو افيك بوتفليقه او بوان او ميم دون لي بروغرام دون توت لي شان تيليفزيون اون كوب دي programme pour passer l'adhan, les mosquées partout, le truc à l'autre, comme si on manque de projet. Donc Bouteflika, il a fait la même chose, si ce n'est pire. Si ce n'est pire, qu'est-ce que tu penses de ça? Exactement, oui. Oui, je vous rejoins, oui, c'est
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, effectivement, effectivement, Bouteflika, il a fait peut-être pire. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, Bouteflika, il a confié la société aux islamistes et pour avoir la paix, pour avoir la paix, c'est-à-dire pour qu'il ne lui cause pas de problème, il leur a confié la société. Voilà, je vous confie la société, vous en faites ce que vous voulez, vous prêchez comme vous voulez, mais donnez-moi la paix et ne me cassez pas la tête. Voilà, donc c'était en gros, en termes de vulgarisation, c'est-à-dire en termes très 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 simples, Voilà. c'était ça en gros le deal entre Bouteflika et les islamistes. Les islamistes, bien sûr, de toutes tendances confondues, surtout les salafistes wahhabites. Tout à fait. مس جاب الخير وي فانت غنروح اساس نظام يشد لنا روس جيمين ليدوكاسيون vous avez mentionné tout à l'heure vous allez dire on allons revenir là-dessus effectivement ad nous al roros slira ta si sera gni tkhdmo da jbni mliḥ mliḥ و تصغلط ديما اني منقر استخدم الدين ونك غاو اسجمان نار لانسترومونتاليزاسيون de la religion dans le milieu de l'éducation. Est-ce que c'est nous, Mazmor, à donner des choses, le danger, c'est quoi le danger de cette pratique, l'instrumentalisation de la religion dans le milieu scolaire ou académique? D'accord. D'abord, bon, cette pratique, elle a en fait, il y a deux dangers, deux grands dangers. On va dire trois. Trois dangers de cette pratique dans l'école, à l'école. OK. Premier danger, c'est que l'idéologie, l'islamisation de l'école, l'idéologisation de l'école, elle empêche la formation de l'esprit citoyen. On ne peut pas. L'école algérienne, je l'ai toujours dit, je continue à le dire, l'école algérienne doit faire ses choix. Elle doit faire ses choix, elle doit trancher sur ce plan. Parce que l'école ne peut pas en même temps former des citoyens et des croyants qui sont prêts à tout moment à prendre les armes. Ça ne peut pas marcher comme ça. Soit on forme des citoyens, soit on forme des croyants prêts à prendre les armes, mais pas les deux. Pas les deux en même temps. Donc, l'école, elle doit faire ses choix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que les programmes religieux qui sont enseignés dans nos écoles, ils sont la plupart du temps en contradiction avec d'autres programmes, par exemple avec le programme d'histoire-géographie, avec le programme de philosophie, par exemple. Il n'est pas normal, par exemple, que le prof de philosophie vienne donner une leçon sur, par exemple, l'altérité. L'acceptation de la diversité, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence, et après, après lui, il va venir, vient le monsieur, enfin le professeur qui enseigne l'islam, qui enseigne l'éducation religieuse, pour dire aux élèves, قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم حيث وجدتموهم pour leur citer, pour leur expliquer les versets du djihad. C'est pas normal. Donc là l'élève il va être induit, il va être entraîné dans une contradiction qu'il ne pourra jamais résoudre. Parce que tout ce qui lui est enseigné par le prof de philo, il est tout à fait contraire et tout à fait en contradiction flagrante avec ce qui lui est enseigné par le professeur d'éducation religieuse. Et là, bien sûr, quand on connaît que c'est toujours le religieux qui gagne, parce que le religieux, il est très ancien, il est ancré dans l'éducation familiale, etc. Donc l'élève, il va toujours se dire que après tout, c'est le professeur d'éducation religieuse qui a raison. Ce n'est pas le prof de philo qui peut avoir raison.
Donc, finalement, c'est l'idéologie religieuse qui va primer. Et donc, et c'est pour ça qu'on est en train de faire sortir finalement des jeunes qui sont à tout moment prêts à prendre les armes contre leurs concitoyens et contre l'humanité en général, contre les humains en général, même à l'étranger. Il suffit de leur prêcher quelques versets du Coran et quelques hadiths dans Al-Bukhari, Muslim, etc., tels que font par exemple les idéologues de Daesh. Il suffit de faire ça et on se retrouve avec des jeunes prêts à prendre les armes, c'est-à-dire on se retrouve avec des djihadistes prêts à porter les armes et à faire tout ce qu'on leur demande. Donc c'est très grave ce qui se passe actuellement dans nos écoles et tant que il n'y a pas des choix décisifs qui sont faits pour aller vers une vraie école républicaine qui forme des citoyens. Pas des croyants prêts à prendre les armes. Donc, tant qu'il n'y a pas ce choix décisif qui est fait par les décideurs, l'école algérienne, elle va toujours continuer à tourner dans un cercle vicieux et duquel elle ne sortira jamais. Et on va continuer à faire des victimes, parce que ces jeunes, ce sont des victimes, en fin de compte. C'est les victimes du système scolaire. C'est des victimes. Donc, on va continuer malheureusement à faire des victimes et malheureusement, on va continuer aussi à produire de la chair à canon, de la chair entre guillemets, de la chair à djihad, en fait, de la chair à Daesh, de la chair pour servir les agendas étrangers. Les agendas des commerçants de la mort, des commerçants de ceux qui font du commerce par le sang des humains, malheureusement. Voilà. Donc, voilà en gros ce donc il faut d'abord que le décideur algérien fasse ses choix et des choix décisifs par rapport à l'école. Et puis, il va falloir revoir à la base tous les programmes scolaires. Je vais vous donner un exemple qui va vous étonner. Ça, je connais, c'est-à-dire que c'est un ami à moi qui me l'a dit. Leur professeur de philosophie, qu'est-ce qu'elle leur dit? C'est une islamiste, qu'est-ce qu'elle leur dit? Imaginez-vous, donc c'est une islamiste qui enseigne la philosophie. Elle leur dit, Atlam, vous savez, moi je vous enseigne la logique, parce que mais en réalité c'est haram. Normalement, haram la logique, mais c'est plus fort que moi. Puisque c'est programmé par le ministère, donc je dois vous l'enseigner. Mais sachez qu'il est haram d'apprendre la logique. Ça, c'est une prof de philosophie qui dit au lycée à ses élèves ces choses-là. Donc imaginez-vous, comment cet élève, comment il va, c'est-à-dire, dans quel esprit il va sortir de cette école? De cette école. Donc, on leur donne à ces malheureux élèves, on ne leur a jamais offert les outils de l'esprit critique. On ne leur a jamais offert les outils de l'esprit analytique, de l'esprit synthétique, de l'esprit critique. Comment lire une image, comment analyser une image, comment lire une information, comment critiquer un avis. Jamais, jamais, tout ce qu'on leur donne, c'est des choses à apprendre, des choses à avaler, des choses comme ça, c'est-à-dire à répéter, la plupart du temps, sans comprendre, ni critiquer, ni rien du tout. Donc, je dis oui, l'école algérienne, elle est vraiment, vraiment, vraiment dans un état lamentable et catastrophique. Et voilà, et tant qu'il n'y a pas, comme je viens de le dire, une revue de tous les programmes à la base et des choix décisifs qui sont faits par les décideurs et des décisions qui sont prises par les décideurs dans ce sens, l'école ne changera jamais et on continuera à faire des victimes, malheureusement.
Voilà. Effectivement, تنميرتك يا مس جاب الخير سعيد تسمك تيار داكن ذا قبيلين ايتي دي لولن دي بوفاريك اي تورن بان دي بوفاريك ماشا لاصليس اث الشفاع اي دي زكان قصفون اي دي فكان انجاز ام قرحان انت غمسا تقبيليت وكي طار جاوت بويسك جي سيتي طار جاوت كي دو تون باتلان مون شير سعيد c'est que lui-même c'était la première victime de cette école. Effectivement, c'est un jeune pendu de l'école algérienne qui l'a tué en plein public comme ça dehors, parce que tout simplement on lui a enseigné que c'est un athée. Et donc ça va dans le même sens que tu viens de dire effectivement. D'autant plus, Saïd, moi qui ai été aux Émirats arabes, j'étais à Doha, j'étais au Qatar, ces pays-là où l'islam est né, ils sont en train de remettre en cause tout. Ils sont en train de se moderniser, de se mettre à l'école, au civisme, en laissant tomber beaucoup la religion et se pencher vers la modernité. Et nous, on fait l'inverse. Incroyable. C'est incroyable, même, vous savez, même l'Arabie saoudite, qui est le berceau de l'islam, elle a commencé à se moderniser à grands pas. Tout le monde peut suivre sur sur les chaînes de l'info ce qui est fait, c'est la politique qui est adoptée, qui est pratiquée par le Ben Salman, par le prince actuel, le roi actuel, c'est-à-dire le décideur. Pour ainsi dire, le décideur actuel en Arabie Saoudite, il est en train de pratiquer une politique purement moderniste et c'est-à-dire très claire. Et c'est malheureux quand on voit que le berceau de l'islam est en train de se moderniser et que les périphéries de l'islam sont en train de sombrer de plus en plus dans l'obscurantisme et l'extrémisme. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. أسقسيغ قبل نكارو مس جاب الخير أو يوفان ثورا نكوني غيش قان تيم تيغ تقبيليت تمو تقبيليت نبغا تيد نكس كيغ توشيغ بوكا داكيغ يتوين الجزائر ساسيف أو يوفان الدينير شو تيكينيك شكو تقثو مسلي فلاس أطاس الإسلام الإسلام تموت القبايل الإسلام كابيل كيل سون سي كاركتيريستيك. Oui, l'islam kabyle, en fait, c'est l'islam kabyle, il a toujours été, c'est un islam plutôt populaire, hein. Ce n'est pas un islam savant, ce n'est pas un islam orthodoxe, c'est un islam populaire, c'est-à-dire que c'est un islam qui a toujours été plus ou moins critique, et je dirais même très critique par rapport à la version littérale. Radical orthodoxe de l'islam et qui est une version qui a en fait qui assèche l'islam de toute sa dimension spirituelle et qui en fait un simple rituel et un rituel qui dans bien des cas se transforme en rituel criminel tel qu'on vient de le dire par rapport au wahhabisme, par rapport au djihadisme, etc. Donc le peuple, c'est-à-dire les Amazighs, ont toujours opté pour un islam populaire. Oui, c'est ça, un islam populaire, c'est-à-dire un islam qui est plus facilement adaptable à leur culture ancienne. C'est-à-dire, nous savons tous que dans la vision, dans l'ancienne vision du monde berbère, du monde des Berbères, les Amazighs, ils n'avaient ni paradis ni enfer dans leur culture ancienne. Ils n'avaient ni paradis ni enfer. Donc, ce qu'ils pratiquaient, ils croyaient, donc dans les anciennes croyances berbères, dans les anciennes croyances amazighes, les amazighs pensaient que quand ils mouraient, c'est-à-dire quand après leur décès, c'est-à-dire que leurs âmes demeuraient toujours ici, c'est-à-dire dans l'espace, bien sûr dans une autre dimension, mais que leurs âmes allaient se coller
aller Réincarné. vivre comme se réincarner dans les arbres, dans la nature, Tout à dans fait. les arbres. Et c'est là que les Kabyles parlent de, par exemple, de quelque chose qu'on nomme Irsessen, par exemple. Protecteur. Irsessen, les protecteurs, ce sont les âmes des ancêtres. Il s'agit des âmes des ancêtres qui sont là, c'est-à-dire dans la nature, dans les arbres, dans les forêts, etc., et qui protègent et qui continuent à protéger leurs proches, leurs villages, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle Irsessen. Et d'ailleurs, dans la tradition de Yinnayir, par exemple, vous trouvez toujours dans les familles kabyles, vous avez la fameuse assiette qu'on laisse et qu'on ne mange pas, et qu'on laisse, on laisse sur la table, qu'on éteint les lumières, on va dormir, mais on laisse, et on dit que c'est l'assiette d'Irsessen, justement, c'est l'assiette d'Irsessen. Donc, on leur offre même leur part dans les fêtes traditionnelles. Donc, les croyances, les anciennes croyances en Asie, c'est des croyances purement, c'est purement qui verse, purement spirituelles et qui versent dans la spiritualité. Donc, ils croyaient que l'âme de ces défunts allait se réfugier dans la forêt, dans les forêts, dans la nature, dans les arbres, dans les éléments de la nature. Et du coup, c'est la religion, c'est-à-dire la version de l'islam qui a été adoptée par les Kabyles et par les Amazigh, c'était ce qu'on appelle Diana Nirsesen, donc la religion des gardiens. Diana Nirsesen. Donc, et de là, et partant de là, tous les saints patrons, les saints, ce qu'on appelle les saints, les marabouts, les saints patrons, les soufis, si vous voulez, qui sont enterrés un peu partout en Kabylie, et c'est ce qu'on appelle Irsessen. Moi, il n'y a pas une année, j'ai été dans le village de Tiferet Netoumalk, à Azazga. Bouzgen, tu as J'ai dit été Bouzgen. dans oui, j'ai passé la nuit, 2 nuits, dans la zaouïa de cette zaouïa, la zaouïa de ce village. J'ai été moi aussi, j'ai été. Et voilà, c'est une zaouïa qui est très connue et très ancienne d'ailleurs. Et ben, ils m'ont raconté, les adeptes de la zaouïa, les vieux de la zaouïa, ils m'ont dit que, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, je vous raconte ce qu'ils m'ont raconté, littéralement. Ils m'ont dit que lors de la décennie noire, la décennie des années 90, la région, bien sûr, elle était très. Très convoité par par le terrorisme. Et en ce moment-là, les gens ont pris, c'est-à-dire certains villageois, ont pris les armes pour garder, c'est-à-dire pour faire c'est-à-dire pour garder le village, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle faire les gardiens de nuit. Donc, pour garder, La pour résistance, veiller hein? à ce que les villageois. C'est la résistance, voilà, ce qu'on a appelé la résistance. La résistance populaire, donc Mouqawama Vigilance, vigilance, comme une Shaabia. vigilance. La vigilance, exactement, c'était la vigilance. C'était la vigilance. Donc, ces gardiens-là ont commencé à faire leur travail pendant quelques jours. Après, dans une nuit, il y a quelques villageois qui ont vu le saint patron, c'est-à-dire Sidi Hendoumelk. Ils l'ont vu dans leur rêve. Ils l'ont vu dans leur rêve. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, d'après ce qu'ils m'ont raconté? Il leur a dit, alors maintenant vous choisissez. Soit c'est vous qui gardez le village, soit c'est moi. Si c'est moi, allez dormir, ne craignez rien. Moi, je tiens la garde. Si c'est vous, moi, j'arrête. Si c'est vous qui tenez la garde, moi, je ne vais pas me fatiguer pour rien. Vous savez, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Donc la notion de Diana Nirsesen, elle est ancrée dans l'esprit amazigh, l'esprit berbère. Jusqu'à maintenant. Par exemple, je vais vous dire, je vais vous raconter une autre anecdote. Par exemple, dans les zaouïas en Kabylie, vous ne trouverez pas des limites entre les hommes et les femmes.
Moi, j'ai été dans les Zawiya Kabyle, j'ai trouvé des vieux, des jeunes filles, des vieilles femmes qui sont côte à côte et qui discutent et qui prient ensemble, qui mangent ensemble. Il n'y a pas de séparation. Vous ne trouvez pas les séparations qui existent, par exemple, dans les mosquées officielles orthodoxes, c'est-à-dire la salle de prière pour les femmes, salle de... Ça n'existe pas dans les Zawiya Kabyle. Ça n'existe C'est pas. vrai. Même dans vous avez même dans le Gouba qu'on appelle Taqrabt, par exemple, là où il est, là où le saint de la Zawiya est enterré, là, le Wali, le soufi, là où il est enterré, vous trouverez des femmes et des hommes côte à côte. C'est-à-dire, aucun problème. Il y a pas cette allergie. C'est-à-dire, puisqu'il y a une femme, moi je peux pas prier devant une femme, ou je ne peux pas discuter religion dans un milieu mixte, par exemple, où il y a des hommes et des femmes en même temps. Ce problème ne se pose pas dans les milieux kabyles. Vous savez, j'ai été par exemple dans une zaouïa kabyle, dans la fête de Ashura. Eh bien, c'était tout le monde, hommes et femmes, qui mangeaient ensemble, qui priaient ensemble, et qui chantaient le mdeh, ce qu'on appelle le mdeh, c'est-à-dire qui chantaient des louanges pour le Dieu, pour Dieu, pour le prophète, pour les awliya, etc. Et c'était en même temps les femmes qui poussaient, par exemple, des youyou, par exemple, et il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème et tout le monde était content. Et même quand ils commençaient à prier, par exemple, pour les visiteurs, etc. Et il y a c'est-à-dire le vieux de la Zawiya qui prie et les autres qui disent Amen et qui lèvent les mains en même temps, hommes et femmes, aucun problème. Il n'y a pas de complexité. C'est-à-dire, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Donc, vous avez aussi l'ouverture. L'islam kabyle, l'une des plus importantes caractéristiques de l'islam kabyle, c'est son ouverture. Les kabyles, ils jurent par Jma' al-Iman. Ils jurent par toutes les croyances. Jma' al-Iman, c'est toutes les croyances. Donc, on est ouvert, on accepte, les kabyles acceptent toutes les croyances. La preuve, c'est qu'ils jurent, qu'il y a jma'a l'iman. Il y en a qui prononcent jma'a l'iman, ça dépend des régions. Mais ça veut dire toutes les croyances. Donc, ils respectent, donc ils jurent par la croyance musulmane, par la croyance chrétienne, par la croyance juive, par la croyance bouddhiste, par la croyance, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Ils jurent par jma'a l'iman. Donc, ils sont dans l'universalité. Ils ne sont pas ils sont pas renfermés dans leur petite croyance, c'est-à-dire on est musulman, c'est bon. Non, non, ils sont ouverts sur l'universalité. Ça, c'est, je vous parle des vieux, des vieilles, hein, ça, c'est pas les jeunes instruits. C'est les gens, c'est qui ne sont jamais partis à l'école, peut-être, si ça se trouve. Donc, ils vous jurent par je mets l'hymen. Donc, il respecte le chrétien dans sa chrétienté, il l'accepte tel qu'il est, il respecte le juif dans sa religion, il accepte le bouddhiste dans sa religion, etc. etc. Donc, là, c'est le. Et puis, vous avez aussi cette facilité. C'est-à-dire, par exemple, pour un Kabyle, vous allez dans les Zaouïas. Moi, j'ai longuement écouté les vieux dans les Zaouïas Kabyle. Et il vous dira jamais que un soufi kabyle, il ne vous dira jamais que le plus important c'est le côté formel, c'est-à-dire prier, etc. Il vous dira toujours que le plus important en islam c'est niyya, niyya, c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas les formalités externes, c'est-à-dire comment vous vous habillez, vous mettez une gandoura, vous mettez une barbe, vous avez une barbe, vous priez bien. Non, non, il vous parlera jamais de ça. Il vous parlera jamais de ça. D'ailleurs, ils ne vous diront jamais, faites ceci ou ne faites pas cela. Voilà, c'est l'heure de la prière, il faut aller prier. Ils vous diront jamais ça. C'est-à-dire, ils laissent chacun pour soi et chacun, ils laissent chacun libre de ses pratiques
Et pour eux, d'ailleurs, le côté formel n'est pas essentiel dans la religion. Ce qui est essentiel, c'est l'intérieur, c'est niya, justement, c'est l'intention interne, intérieure qui ne peut être vue et contrôlée par personne, sauf par la personne elle-même concernée. Donc, et vous avez aussi une autre notion très importante aussi dans l'islam kabyle, c'est l'ensemble de baraka. C'est l'ensemble de baraka, c'est-à-dire c'est un peu, si vous voulez, je ne sais pas comment on pourrait traduire, parce que la baraka n'existe pas dans le dictionnaire français, c'est-à-dire, mais je ne sais pas comment la traduire. C'est l'abondance, on va dire. Allez, l'abondance, donc l'abondance. C'est la notion d'abondance, la notion de baraka. C'est-à-dire que quand on est, on se contente de ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de s'accaparer de ce qui est à autrui. Donc là, c'est là que tombe la baraka parmi les gens. Et c'est comme ça que vous avez, par exemple, que dans une même assiette, vous avez 10 personnes qui peuvent manger dans une même assiette. Bien sûr, dans des situ dans les zawiyas, dans les fêtes familiales ou partout. Donc vous avez les gens que plusieurs 10 personnes qui peuvent manger dans une même assiette. Et ça peut suffire, c'est-à-dire comme nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a la baraka dans cette nourriture. Et donc ça aussi c'est une notion très très importante dans l'islam kabyle. Voilà, en gros, sans donner trop de détails, mais en gros c'est ça les principales caractéristiques de l'islam kabyle. Donc c'est un islam ce qu'on appelle savadhnif. Donc c'est un islam bataniste, c'est un islam soufi. Ce n'est pas un islam formel. Ce n'est moi j'ai vu des on m'a raconté une histoire à Zazga. On m'a dit une fois la zawiya de Sidi Hamdoumelk. Une fois il y avait parce que il y a la forêt qui est tout près de la zawiya, c'est-à-dire qui est limitrophe à la zawiya. Et une fois, il y a un feu de forêt qui s'est déclaré et qui allait c'est-à-dire qui allait atteindre la zawiya, qui allait atteindre la zawiya. Il y a un boudali, si vous voulez, comme on dit en kabyle, un derwish, Et vous un allez. derwish, un boudali, un boudali, voilà, qui est toujours vivant. Je ne sais pas, c'est-à-dire moi j'y suis allé depuis 3 4 ans, je ne sais pas. Moi, je l'ai vu, en tout cas, ce Boudali, je l'ai vu. C'est un quelconque, c'est-à-dire qu'il est habillé, très modestement habillé, voilà. Eh bien, ce Boudali, quand le feu de la forêt s'est déclaré, et il a vu qu'il allait atteindre la Zawiya, ce Boudali, et tous les villageois l'ont vu, beaucoup de villageois l'avaient vu. Il a levé la tête au ciel, et il a commencé à parler à Dieu, en lui disant en kabyle, pourquoi tu veux brûler notre zawiya? Pourquoi tu veux brûler notre zawiya? Il a commencé à hurler comme ça. Et les villageois m'ont dit que juste après qu'il a fait ça, il y a eu une pluie. Et la pluie est tombée, et elle a fait, c'est-à-dire, et le feu, il s'est éteint du fait de, c'est-à-dire, il a été éteint par cette pluie. C'est ce qu'ils m'ont raconté, c'est ce qu'ils ont vu. Hein. Maintenant, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas assisté à ce qui s'est réellement passé. Mais pour vous dire que, je sais juste pour vous dire que l'islam kabyle, c'est un islam très simple. C'est un islam très simple, très populaire, qui ne complique pas les choses, qui ne complique pas la vie aux gens. Et qui ne s'ingère pas dans l'intimité des gens, qui ne s'ingère pas dans les choses personnelles des gens. C'est-à-dire, et c'est aussi un islam de l'entraide, ça j'ai oublié de le dire, un islam de la solidarité. Ça aussi c'est très important.
Parce que les zawiyas, vous savez, c'est des espaces qui accueillent les pauvres, qui accueillent les voyageurs, qui accueillent tous les gens. Vous pouvez aller dans une zawiya en Kabylie, vous pouvez rester là-bas 2 ans, 3 ans, et personne ne viendra vous dire qu'est-ce que vous faites ici. C'est-à-dire, c'est des espaces qui sont ouverts pour accueillir les pauvres, les nécessiteux, et pour aider aussi, quand il le faut, les gens qui ont besoin d'aide de quelque nature que ce soit. D'ailleurs, Voilà, en en gros, Kabylie, ce. Saïd, en Kabylie, il n'y a pas d'hôtel dans les villages. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de Exactement. police, il n'y a pas de justice, parce que tout se Exactement. règle. L'esprit de solidarité, l'esprit de confiance, l'esprit du truc, fait qu'on n'a pas besoin de tout. Exactement. Oui. Exactement. Et là, je vous remercie parce que vous m'avez rappelé une chose très importante, c'est que l'islam kabyle, c'est un islam laïque. C'est un islam laïque. Le principe de tajma'at, c'est un principe laïque, séculaire. Vous savez, l'imam de la mosquée ou de la zaouïa, il assiste à tajma'at, mais il ne participe pas aux discussions. Parce que il est religieux. Il ne participe pas aux discussions de Tejmat. Quand Tejmat a fini de discuter, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la Fatiha. Il lit la Fatiha pour apporter la baraka. Mais il ne participe pas. Là, si vous permettez, je vais vous lire un petit passage qui est cité par ce livre très important de Kamel Chachoua, L'Islam Kabyle. Un livre très important, Kamel Chachoua. Kamel Chachoua, il rapporte un texte de Ben Zekri dans son épître, Risala, de Ben Zekri. Il dit qu'en 1857, il y a eu c'est-à-dire, je vous lis, voilà, textuellement. Il dit, c'est l'histoire d'une guerre et d'un dialogue entre le chef de l'armée française, le général Joseph, et le marabout Kabyle Sidi Amr, descendant du Saint Cheikh Al-Mansour des Athirathn, établi à Dillis. À Dillis, au moment des guerres entre l'État français et les Kabyles en 1857. Alors, bien sûr, le marabout, il est allé voir l'officier français pour essayer d'arriver, c'est-à-dire à trouver un compromis pour essayer d'apaiser, c'est-à-dire de calmer les choses, etc. Donc, il lui a dit, ce marabout a convaincu l'officier français de la nécessité de la recherche d'un compromis afin d'éviter l'embrasement de la guerre et de trouver une issue qui permettrait d'empêcher le sang des deux groupes de couler. Et par sa connaissance des traditions kabyles, et particulièrement au courant de leur soumission au marabout, il s'est décidé d'envoyer un émissaire au marabout évoqué plus haut. Pour aller plus vite, le marabout a bien parlé à l'officier français qui lui a dit, voilà, vous êtes marabout, je vous propose d'influencer ces gens, ces Kabyles, et de leur dire d'arrêter de nous faire la guerre. Le marabout, il lui a dit, monsieur l'officier, moi je suis marabout, mais je n'ai pas cette autorité, je ne peux pas leur imposer de faire la guerre ou d'arrêter la guerre. Ce n'est pas de mes, ça ne relève pas de mes prérogatives, de mes pouvoirs, je ne peux pas leur dire ça. Mais si vous voulez, je peux aller leur demander leur avis. Je peux aller leur demander leur avis, vous dire et revenir pour vous dire ce qu'ils pensent, c'est-à-dire de votre proposition. Donc le marabout, il est allé proposer aux Kabyles qui étaient des soldats parce qu'ils portaient les armes, ils ont porté les armes contre la France coloniale. Donc il leur a présenté la proposition de l'officier français. Alors quelle était la réponse justement de ces Kabyles? Voilà, je vous lis ce qu'ils lui ont répondu. Cher marabout, comme tu le sais, tous ici, nous respectons ton autorité et ce respect s'impose à nous comme un devoir. Et quelle que soit la question, sauf celle-là même à laquelle nous sommes confrontés en ce moment, là, tu n'as plus aucun de tes pouvoirs. Retourne donc voir ce chef français
qui tient les rênes de l'armée française, transmet-lui nos salutations et notre considération à la gloire de son rang et de celui de son état, puis dis-lui que les Kabyles sont certains que l'État français sera le vainqueur et que nous serons les vaincus. Nous savons que bientôt nous serons sous sa domination et qu'il fera de nous ce qu'il voudra. Mais notre terre à nous, réputée sèche, ne peut être labourée qu'après avoir été arrosée par le sang de ses hommes et ne peut être fertile qu'après s'être mélangée à leurs cadavres. Nous ne sommes pas des Juifs, on ne pourra nous enlever notre terre sans guerre. Donc voilà, il viendra ce jour sombre et noir qui établira une séparation entre vous et nous. Donc voilà textuellement ce qui, donc l'important dans cette histoire, c'est que le marabout, c'est que les Kabyles, ils ont dit textuellement au marabout, tu n'as aucun pouvoir sur la chose publique. C'est incroyable. La guerre, ce n'est pas toi qui décides si on doit ou pas faire, on ne doit pas faire la guerre. C'est notre terre, c'est notre devoir. On sait ce que, on connaît bien notre devoir. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce n'est pas toi qui on ne va pas attendre le marabout pour qu'il vienne nous dicter ce qu'on doit ou on ne doit pas faire. Le marabout, le rôle de justement de ces marabouts, c'était un rôle proprement religieux, spirituel, et pas autre chose. Et même jusqu'à maintenant, comme je venais de le dire, dans Tejmet, le marabout n'intervient pas. Il ne discute rien du tout. Sauf qu'il assiste, il écoute, et à la fin, il lève la fatiha pour donner la baraka, ni plus ni moins. Voilà. Voilà, donc, en gros... تنمية سعيد سلفر حمق وغاني تقوف لغ au fait, سعيد avant de terminer, juste un petit de par les réponses de Fikir, en fait, il y a plus de doses de rites spirituels paganistes, anciens, kabyles de la société kabyle que d'islam, au fait hein. Donc je ne me trompe pas si je dis c'est l'islam qui s'est kabylisé et non pas les Kabyles qui sont islamisés, parce que l'islam est exactement, adapté. Exactement. Hein? Oui, exactement, exactement. Oui, tout à fait d'accord. C'est l'islam qui s'est kabylisé. Voilà. Et ce n'est pas les Kabyles qui se sont islamisés. C'est les Kabyles, ils ont, en fait, si on veut, les Kabyles, ils ont nationalisé, entre guillemets, l'islam. C'est-à-dire, ils ont adopté l'islam à leur culture ancestrale. Voilà. Ils ont adapté l'islam à la culture, à la Diyana Ni'assasen, qui est Exactement. très ancienne au Kabylie, qui est Paganisme, très ancienne paganiste. C'est le paganisme, exactement. Voilà. C'est le paganisme. Ils ont adapté à leur culture spirituelle ancienne et ancestrale. Voilà ce qui s'est passé au Kabylie. Et ce qui s'est passé au Kabylie, c'est passé aussi au Maroc, c'est passé en Iran, c'est passé en Inde, et c'est passé en Turquie, etc., etc. Donc, partout dans les terres conquises non arabes, l'islam, il a été adapté aux cultures locales. Donc il s'est incliné et adapté aux cultures locales et ce n'est pas les locaux qui se sont islamisés. Voilà, donc vous avez parfaitement raison. C'est un plaisir, on peut passer des heures et des heures avec toi, c'est 1h30, on n'a pas senti 1h30. Malheureusement, je suis obligé de couper pour ne pas lasser un peu notre public. Eh ben, je vous dis, à vous, mon cher ami, et à vous et à Tétu 5 pour m'avoir permis ce moment d'échange, ce moment de pour m'exprimer auprès de votre honorable public. Et voilà, j'espère que on aura d'autres occasions pour d'autres rencontres et d'autres échanges. Encore merci, Thanmirth.
تنمير تكتيك النظام ويثير دي توالي انت كيسان كاكيان انو ساتا قرا انت دويل تكي اردي سملا لن ذو موسنا وانت نسلم مس سعيد جاب الخير يسيان مليل ذو ذما ونر نقبالي عندما تلين ذو مضالة ودينا قيمات ذي ثلويث